En fait, on a commencé au mois d'avril à faire voyager une flamme symbolique olympique qui a voyagé en fait dans tous les accueils de loisirs du territoire. Donc, elle est partie de Saint-Révérend, commune qui est à l'initiative de l'idée, et enfin une collègue de boulot. Et puis, du coup, elle est arrivée au Fenouillet en fait il y a quelques semaines là, pour symboliser l'organisation des Jeux ici pour nous. Au pays Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque accueil de loisirs représentait une ou deux villes du territoire et avait fait un drapeau à leur effigie. Et donc, du coup, on a pu faire parader l'ensemble des équipes. Et ensuite, on a fait une remise des médailles, des meilleurs sportifs de la journée.